Bonjour mes très chers compatriotes. N'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Si vous étiez né au Moyen Âge, il y a fort à parier que vous fussiez un gueux. En effet, les paysans représentaient 90% de la population de l'Europe médiévale. Ces paysans étaient divisés en deux catégories. Les serfs, appartenant à un seigneur ayant tous les droits sur eux, mais aussi ayant le devoir de les protéger, et les vilains, hommes libres devant payer un impôt au seigneur pour l'exploitation d'une terre qu'ils louent. Ces deux catégories de paysans sont le plus souvent très pauvres et vivent dans des conditions particulièrement éprouvantes. Ils habitent dans des masures en pierre très sommaires, constituées d'une seule grande pièce, en terre battue, au centre de laquelle se trouve un foyer. Ce genre d'habitation est très mal isolé et les hivers sont très rudes. Quant à l'alimentation des paysans, elle est frugale et très peu variée. Mangez pas beaucoup. Le repas se compose le plus souvent de pain, de racines et de légumes secs. La peur de la famine étreint l'âme du paysan tous les hivers. En plus de cela, le paysan doit travailler dur du lever au coucher du soleil. Néanmoins, il ne travaille pas le dimanche et lors des fêtes religieuses. Du fait de son dur quotidien, rares sont les paysans qui dépassent les 40 ans et ceux qui y parviennent sont considérés comme des vieillards. Cette vie difficile n'est pas du goût de tous, et certains sont prêts à tout pour s'extraire de leurs conditions. Ainsi, il arrive que des paysans se réunissent pour former une troupe et commettre des actes de brigandage. Armés de gourdins, de masses, de haches ou de dagues, les brigands tendent des embuscades pour voler de quoi subsister et parfois même s'enrichir. Cependant, ces actes criminels sont punis de mort et les agissements d'une troupe de brigands sur les terres d'un seigneur attireront rapidement les foudres de ce dernier. C'est pourquoi il était plus judicieux pour un paysan en quête d'enrichissement de rejoindre une hoste. Armée médiévale non permanente, menée par un seigneur assez riche et puissant pour partir en guerre. Le paysan devenait alors homme d'armes ou homme de trait, et la seigneurie lui fournissait armes et vivres ainsi qu'un droit de butin. Ainsi, devenu le plus souvent archer ou vougier, l'ancien paysan pouvait espérer survivre à une ou plusieurs batailles et récupérer sur les dépouilles ennemies des armes et tout autre objet de valeur qui lui permettrait de s'enrichir. Une fois la fortune acquise et son service d'hoste terminé, l'homme d'armes pouvait retourner à sa vie de paysan avec de l'or plein les poches lui permettant de s'offrir de meilleures conditions de vie, ou il pouvait décider de s'offrir de meilleures armes et armures, et même un cheval s'il était parvenu à gagner assez d'argent. Ce faisant, il pouvait alors devenir un combattant à cheval au service d'un seigneur. S'il est prêt à prêter serment, il pourra alors être adoubé par le seigneur et devenir chevalier. Autour de l'an 1000, il n'y avait nul besoin de faire partie de la noblesse ou d'un clan prestigieux pour devenir chevalier, et n'importe quel homme capable de se payer l'équipement nécessaire pouvait être adoubé. Les choses se sont compliquées avec le temps. Dès 1235, il fut établi que la chevalerie était synonyme de noblesse et que seuls les fils de nobles pouvaient l'intégrer. Ainsi, la chevalerie est passée d'un vecteur d'ascension sociale et d'un corps d'armée d'élite à une corporation de guerriers nobles. Dès lors, la formation du chevalier est devenue systématique et aucun paysan n'y a plus eu accès. À l'âge de 7 ans, un fils de noble aspirant chevalier est envoyé dans la maison d'un seigneur qui deviendra son parrain. L'enfant est alors nommé galopin et est chargé de nettoyer les écuries. Plus tard, il devient page et apprend à monter à cheval, à chasser et à manier l'épée. Enfin, il devient écuyer et aide les chevaliers à la guerre ou lors des tournois. Aux alentours de sa 20e année, l'aspirant chevalier est adoubé. Il reçoit des mains de son parrain son épée. Une fois chevalier, le noble guerrier se doit de respecter son serment et le code d'honneur de la chevalerie, sous peine d'être dégradé. Si tel est le cas, le noble est proclamé indigne d'être chevalier. Il est alors mené sur une estrade où on lui ôte ses armes et son armure. Son épée est alors brisée et son blason piétiné et traîné dans la boue. Le tout, bien sûr, sous les injures du public.
Le chevalier disposait du meilleur équipement individuel de son époque. Celui-ci était le plus souvent en acier et pesait très lourd, jusqu'à 40 kg. Ainsi, le chevalier devait être robuste et très endurant, car combattre ainsi équipé était éreintant. Afin de rester au top de la technologie, l'armure du chevalier a beaucoup évolué au fil des siècles. Au XIe siècle, le chevalier était protégé d'une longue cotte de maille appelée haubert, d'un casque de type cervelière avec une protection nasale et d'un grand bouclier normand. Avec le temps, l'armure du chevalier s'est améliorée. Les lourdes cottes de maille, dont tout le poids reposait sur les épaules du chevalier, ont cédé la place à des armures de plaques de métal articulées, les harnois, plus faciles à porter, répartissant mieux la charge et offrant une résistance accrue. Le casque des chevaliers est devenu de plus en plus couvrant et l'apparition de visières mobiles l'ont rendu bien plus pratique. Quant au bouclier, il a diminué en taille jusqu'à disparaître au profit d'épées plus longues maniées à deux mains. Certains chevaliers utilisaient des marteaux ou masses d'armes, plus efficaces contre les armures, mais l'Église catholique en avait interdit l'usage et leur maniement était considéré comme peu chevaleresque. Ces armes étaient plutôt utilisées par la piétaille sans honneur. Après plusieurs siècles de règne sans partage sur les champs de bataille européens, les chevaliers sont tombés en désuétude. Les valeurs chevaleresques furent abandonnées au profit d'un art de la guerre nouveau où il n'y eut plus de place pour l'honneur et la gloire. En effet, pendant longtemps, les chevaliers étaient rarement mis à mort lorsqu'ils étaient vaincus, mais plutôt capturés pour échanger contre rançon. Ce système honorable était gagnant pour tout le monde, le vainqueur obtenait de l'argent, le vaincu restait en vie, et les rôles pouvaient s'inverser à la prochaine bataille. Cependant, la cuisante défaite de la chevalerie anglaise face aux piquiers écossais à Bannockburn en 1314 fut un des événements qui causa la fin du règne de la chevalerie. Après cette humiliation, l'armée du roi d'Angleterre entama une profonde transformation. On se détourna des lourds chevaliers en harnois au profit d'un plus grand nombre de fantassins, plus légers et équipés d'armes de trait, et notamment du redoutable arc long. Rapidement, les archers représentèrent les deux tiers des effectifs militaires anglais, et la nouvelle stratégie militaire qui en découlait, privilégiant la distance aux engagements au corps à corps, s'avéra extrêmement efficace pour briser les charges massives de chevaliers, comme l'illustre si bien la bataille d'Azincourt en 1415. Jusqu'à cette bataille, en France, la guerre était avant tout une histoire de nobles, et l'idéal chevaleresque favorisait le combat de mêlée. Malheureusement, ce 25 octobre 1415 vit un grand nombre de nobles chevaliers français tomber, impuissants face au déluge de flèches de l'armée anglaise. D'autres facteurs entrèrent en jeu lors de cette bataille, comme le terrain très défavorable à la chevalerie française, mais cette journée marqua un tournant dans les mentalités et l'âge d'or de la chevalerie venait de prendre fin. Plus tard, l'utilisation sur les champs de bataille d'armes à feu et pièces d'artillerie asséna le coup de grâce aux chevaliers, car ces nouvelles armes étaient capables de percer les meilleures armures, qui dès lors devinrent complètement obsolètes. Ainsi s'éteignit la chevalerie, donnant naissance à une nouvelle forme de guerre à distance préfigurant déjà nos guerres modernes. Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.